Élève à l'école des beaux-arts de Montpellier, puis de Paris, Alexandre Cabanel est l'un des artistes académiques qui a rayonné aussi bien par le succès de sa peinture que par le nombre de ses élèves. C'est à Rome, alors qu'il est pensionnaire à l'Académie de France, qu'il peint ce portrait en buste d'un jeune homme. Vêtu d'une toge, il ne semble pas avoir la vigueur physique qu'on attend d'un jeune citoyen romain. Les épaules se portent vers l'avant et voûtent la silhouette. Mais le dessin de Cabanel suggère la fermeté de la musculature, ainsi que la noblesse des traits qui, malgré l'épaisseur de la chevelure, transparaissent sous la barbe fournie. Les paupières, teintées d'un rose violacé, brunissent à la rencontre du nez fin et retombent sur la courbe légèrement renflée de l'œil. Aucun sentiment ne semble animer l'intériorité que laisse deviner le regard. Le jeune homme est aussi éloigné du type du romain héroïque que des incarnations de la décadence. Pour forger cette figure de fantaisie, Cabanel a concilié le travail d'idéalisation d'après l'antique, inspiré des bustes sculptés de Lucius Verus, avec l'étude d'après le modèle vivant.